Je vais vous présenter Aymeric, un entrepreneur passionné devenu une référence dans le monde du vélo. Son atelier haut de gamme est spécialisé dans le sur-mesure et les matériaux high-tech. Et moi qui n'y connais pas grand-chose dans ce domaine, il a réussi à me communiquer sa passion de la petite reine. On est bien là ? On est pas mal, hein ? C'est vrai que c'est un cadre idéal pour faire tester le vélo ? Oui, oui, oui. On est vraiment une terre de cyclisme et d'histoire. Enfant, j'imagine que tu regardais la petite reine régulièrement, tu devais connaître par cœur le nom des champions du Tour de France. J'étais biberonné au vélo, et puis, voilà, dans les anecdotes, j'ai su faire du vélo à 18 mois, quoi. T'as vu que j'ai quand même mis ma plus belle robe de bal ? J'espère qu'il y a un bal. Les plus grands sont passés Bah là, t'as Jeannie Longo, Richard Virenque, Laurent Fignon, t'as un cadre de Jean Delatour qui avait participé au Tour de France en 2001. Donc c'est vrai que bon, ça fait quelques années maintenant, mais on est toujours fiers de notre histoire. Il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau des cadres. Oui. Là aujourd'hui, on est en train de toucher des cadres qui sont principalement en aluminium. Donc ouais. C'est vrai qu'à l'époque, au début des années 2000, dans le peloton professionnel, c'était vraiment ce qui se faisait de mieux. Aujourd'hui, on est plus sur des matériaux composites pour la haute compétition, même si on continue à faire des cadres en acier ou en aluminium pour des cyclotouristes ou des gens qui font du vélo de voyage. Allez, tu nous montres un petit peu ton atelier, voir s'il a évolué, justement comment est-ce qu'on les fabrique, ces fameux cadres. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, on est sur du sur-mesure, donc il n'y a rien qui est standardisé. Par exemple, je souhaite avoir un cadre sur-mesure. Comment est-ce que tu prends nos mesures ? Tu utilises un mètre comme un couturier ? Comment ça se passe ? Alors, on utilise un mètre, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a vraiment développé à la fois un logiciel de calcul, mais derrière, un outil anthropométrique. Hey, c'est technologique tout ça. Ah, bah, c'est recherché. Attends, ouais. Je veux dire, ici, on bosse pas mal. Et c'était en plus développer le logiciel au sein d'un centre médico-sportif qui a permis finalement de mesurer la VO2 max, la puissance sur le vélo. Et à partir de là, en fait, de finalement créer un logiciel où, à partir de 9 mesures, je vais te montrer comment on les prend, on peut vraiment calculer ta position idéale sur le vélo et te faire ton vélo sur mesure. Mais je suis bien curieuse de voir ça. Ben, on va aller regarder tout ça. Donc c'est ici. Ah, j'aperçois la machine. La fameuse ? Ouais. Donc c'est ici que c'est cette machine, elle a été utilisée par... Enfin, les plus grands, hein, Richard Virenque, Jeannie Longo. Ou plus récemment, Sylvain Chavanel ou Thomas Voeckler. Alors, explique-moi comment est-ce que je me mets sur cette machine pour que tu puisses prendre mes mesures. Alors, déjà, je vais te faire un petit marquage. Parce que je vais vraiment te faire un marquage au niveau de l'acromion. Ça va nous permettre de mesurer ta largeur d'épaule. D'accord. Et aussi ta hauteur d'épaule. Parce que c'est vraiment deux éléments qui vont être fondamentaux dans le calcul après qu'on fera de ta position sur le vélo. Je vais juste demander de mettre tes pieds, les talons au contact derrière, là. On n'imagine pas que c'est aussi technique, hein, la prise de mesure. On a le mètre à ruban et je vais venir mesurer l'ensemble des informations, la largeur des épaules. C'est pour ça que je parle de haute couture. Tu es vraiment dans de la haute couture. Oui, hein. On est vraiment, mais je dirais même plus loin, on est dans la haute couture et la haute technologie. Donc là, par exemple, tu as une largeur d'épaule de 370 mm. Ouais. Ce qui est pas mal. Hein. Grâce à toi, je vais pouvoir me faire des costumes sur mesure. Donc en fait, toutes les mesures qu'on a prises, on va les rentrer à l'intérieur de ce logiciel. Après, on vient vraiment déterminer la géométrie de ton cadre idéal. Et le voilà, ce fameux cadre. Là, on vise l'excellence, on est vraiment au millimètre près dans la mesure. Clairement, parce qu'aujourd'hui, un millimètre, alors ça paraît rien, mais il faut imaginer qu'on le multiplie par 30 000 coups de pédale sur une épreuve de 100 km, donc ça fait quelques centimètres à la fin, que dans le sport de haut niveau, aujourd'hui, ça se joue au millième. Et que quelquefois, on a vu cette année sur le Tour de France, il y a deux ou trois arrivées où ça s'est joué à la photo finish. Et donc, le millimètre qui, pour toi, est de l'ordre du détail, c'est ce qui peut vraiment faire la différence pour un sportif de haut niveau. Là, tu vas vraiment voir du high-tech et de la fabrication de vélos haute performance.
On le voit là, hein, c'est ça le carbone, hein, voilà. Avant d'être posé. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, oui. L'acier, il est sec. Pourquoi est-ce qu'il est autant apprécié par... Parce qu'il est léger, solide, et il ne s'use pas dans le temps. D'accord, donc en fait, c'est ce que vous recherchez. C'est des cadres très légers... Et très rigides. ...avec une rigidité maximale aussi rigide que l'acier. Aussi, voire plus rigide que l'acier. L'avantage aussi du process, c'est qu'on va pouvoir aussi appliquer plus de couches. C'est-à-dire que par défaut, on en applique trois. Mais par exemple, pour le tandem qui est derrière... Et pour ce tandem-là, on ne va pas du tout faire la même chose. On va pointer de la même façon, mais derrière, vu que c'est pour des champions paralympiques anglais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment rigidifier au maximum. C'est-à-dire qu'on va rajouter du carbone. Au final, quel est le matériau le plus utilisé aujourd'hui pour la fabrication de vélos? Nous qui fabriquons des cadres depuis 35 ans et avons toujours fabriqué des cadres acier, aujourd'hui, par exemple, l'acier est pour certaines populations ou certaines pratiques plus approprié que le carbone, parce qu'il sera plus souple, parce qu'il va plus, absorber plus facilement les vibrations, parce qu'il sera moins exigeant. C'est-à-dire qu'un vélo, il faut quand même une certaine élasticité pour pouvoir le solliciter. Et donc, c'est vrai qu'il y a un petit retour en arrière où le carbone est vraiment maintenant affecté aux compétiteurs et l'acier ou l'aluminium à des gens qui sont plutôt cyclotouristes, cyclosportifs. Et après, on mixe les deux. Il faut bien choisir son matériau en fonction de sa pratique. Complètement.